Et Magenta Yengen, un duel devenu classico sur ces 10 dernières années et qui sera au programme de cette 6e journée de Super League. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à Nouma Dele. Bienvenue aussi sur les antennes de Pacific Plus et la FCF TV Web pour suivre ce championnat élite calédonien qui se poursuit avec, on le disait, un calendrier très complet jusqu'à début juin. John, donc il va falloir enchaîner pour nos équipes de l'élite. Oui, bonjour Romain, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que ça va être un calendrier chargé. Il va falloir être concentré pour toutes ces équipes jusqu'à début juin, même pour nous. Exactement. Et aujourd'hui, eh bien, on aura un match toujours au parfum particulier parce que il est vrai que ce Magenta Yengen, c'est un duel qui, je le disais, est devenu un peu emblématique de ces 10 dernières années du football calédonien avec ce programme du jour, donc Magenta contre les Nordistes et puis l'AS Kounié face au SC Nedjeou. Dans la foulée, à 15h30, toujours au grand stade de Nouméa. En tout cas, on devrait se régaler. Et puis, c'est vrai que ça va nous rappeler, sur ce Magenta Yengen, bon souvenir d'une finale de Ligue des Champions 2019 qui s'était jouée ici même avec l'unique et seule victoire calédonienne en Ligue des Champions de l'Océanie. John, devant 8000 personnes. Alors forcément, ça nous remémore tout ça quand on aborde ce match de la 6e journée à SM contre Yehen. Oui, on peut pas... Justement, on voit le programme de la journée là, avec ce beau programme, l'AS Magenta Yengen Sport, où tu as souligné que ces deux grandes écuries qui aujourd'hui s'affrontent. Et même si Yengen n'est pas très pas démarré comme il faut ce championnat, mais revient maintenant à 4 points de Magenta. Kounié, Nedjeou, comme tu l'as dit. À La Roche, on a Horizon Patho et c'est à Saint-Louis à 15h. Et puis à Boeva, Gaïcha qui affrontera aussi à 13h et Mandor face à Tigaspor. Ce sont des matchs qui alimentent justement, comme tu le disais, un championnat qui va être attrayant, qui va être où il y aura beaucoup de suspense, où il y aura de la bataille. Il y aura de la bataille avec ses play-offs et ses play-downs. Et là, on le voit, Yengen la semaine dernière qui était dans ses quatre des play-downs. Et puis aujourd'hui, ils sont sortis et ils sont à 4 points de Magenta qui est à la 3e place. Donc il y aura pas mal de rebondissements durant cette année. Oui, tout semble aller très vite et effectivement, on le voit au classement. Yengen qui a fait un bond en avant en ayant la bonne idée le week-end dernier de dominer nettement le Mandor 5 buts à 0. Yengen qui se replace 5e. Alors, on rappelle ce nouveau format où il faudra être dans les 6 premiers à l'issue des 18 journées de la phase régulière pour être qualifié au play-off. Et puis les 4 autres, le 7e, le 8e, le 9e et le 10e, qui basculeront en phase play-down avec les champions provinciaux du Nord, du Sud et des îles. En tout cas, la première étape pour ces 10 pensionnaires de l'élite, c'est d'aller chercher ces 6 premières places parce que ça voudrait tout simplement dire que c'est le maintien qui est assuré. Oui, c'est une bonne chose en sachant que juste derrière, tu as 4 autres places où il va falloir jouer justement sans maintien et ne pas s'envoler vers la première division, enfin la PH. Voilà la belle image, vous l'avez vu, de cet avion qui quitte l'aérodrome de Magenta. Les compositions des deux formations avec l'ASM, l'équipe de Pierre Wadjoka qui aujourd'hui sera dans un système plutôt porté, on va le dire, John, sur en tout cas une base arrière à 4, peut-être un 4-1, on verra un peu comment tout se met en place sur ce dispositif. C'est vrai qu'on le dit assez souvent, le coach Wadjoka qui affectionne à aller chercher un peu dans la réflexion de ses joueurs en changeant de système, en changeant les plans de jeu en fonction des matchs et des adversaires. Oui, on voit des joueurs qui bougent sur le terrain, comme Jean-Claude Djewinié, d'habitude il est plus bas. Juste devant la défense, là, on le voit un peu plus haut sur cette formation. Brunet, qui est sur le banc, qui était titulaire, il essaye de visiter plusieurs approches tactiques avec ses joueurs et les mettre sur différentes zones pour essayer de, je sais pas, avoir une polyvalence sur les postes. Après, ouais, on va voir si ça marche parce qu'il va. C'est vrai qu'il approche. De la O-League et donc ça peut être intéressant. Et puis maintenir aussi ces joueurs en alerte. On passe à la formation nordiste du jour, mise en place par le coach Félix Tagawa avec, vous le voyez, ce 4-3-3, ça ne bougera pas
du côté des nordistes. En tout cas, sur le système de jeu, on verra ce qui est proposé au niveau de l'animation. On aura forcément ce trio devant qui va très très vite ruiner Wachia et le jeune Alebat. Et puis un milieu terrain, John, que j'ai envie de dire nourri. Danjewe, Willy Yentao, Cédric Sanso. Puis cette ligne arrière, quand même relativement solide, où Jean-Luc Décoiré occupera aujourd'hui le flanc droit de cette défense. Et puis, dans les buts, on retrouve Christopher Yewene. Voilà en tout cas donc pour les 11 de départ sur, bah, je le disais, ce classico Magenta Yengen. Effectivement, Yengen pourrait faire une belle opération en cas de succès face à l'ASM, c'est-à-dire revenir quand même à un point de Un son point. adversaire du jour, après quand même, tu le disais, des débuts plutôt en dents de scie sur cette saison 2024 côté Yengen Sport. Oui, j'espère que là, avec les retours de la vue, hein, Wetia en attaque et puis au milieu Cédric Sanso, ça va peut-être apporter une stabilité sur les différentes lignes. On l'a eu un peu derrière. Maintenant, Willy Yentao était sur le côté, passé au milieu. Les autres matchs, on a eu les soutiens des anciens avec Kayara, Miguel et Bertrand Kay qui a marqué à deux reprises la semaine dernière. Donc, ils sont en train de Comme un petit à symbole. petit, oui, comme un symbole. Donc, peut-être la révolte a été sonnée. Ça vient des anciens et on va le voir aujourd'hui avec ce mariage ancien et jeune. Si, eh ben, ça y est, ils ont retrouvé leur, si ils ont retrouvé leur stature et leur jeu. Voilà, on attend en tout cas l'entrée des joueurs qui se fait un peu trop attendre, puisqu'on a pris un peu de retard visiblement en bas au niveau de la logistique terrain. Et puis le public qui va peut-être doucement arriver au stade Nomadélé pour observer donc cette belle rencontre entre donc bah, l'actuel 3e Magenta et l'actuel 5e Yengen Sport. Deux équipes, John, qui restent sur une nette victoire, deux Victoire, succès probants, 5-0, puisque Magenta a dominé l'Aussie dimanche dernier par le même score. Donc quand même deux formations qui se sont offert une belle dynamique au niveau offensif notamment. oui. Et donc ça va être intéressant aujourd'hui, cet après-midi, de voir justement deux équipes qui sont confiantes, qui sont justement sur une bonne dynamique. En tout cas, Yengen a changé de fusil d'épaule et qu'ils essayent de justement être plus décisif sur leur rencontre. Et puis eh ben, ils ont de la chance de venir justement pratiquer le football. Là on le voit, la pelouse elle est super belle, le temps il est agréable, pas trop de vent. Donc je pense que Ouais, une bonne température pour. j'espère avoir un complément justement avec ces deux équipes de bah, les meilleures depuis 10 ans à ce niveau du championnat donc élite calédonien. J'espère qu'ils vont nous offrir un beau spectacle aujourd'hui. Alors forcément, on évoquait tout à l'heure bah, cette finale de Ligue des Champions Ouais, océanienne qui aura marqué, quoi qu'il en soit, l'histoire du football calédonien. C'était en 2019, la qualification. On l'avait tous suivi de Yengen Sport à la première Coupe du Monde des clubs de la FIFA pour une formation calédonienne. C'était donc face à Magenta. Et ce but d'anthologie d'Antoine Roiné de allez, 60, 50, 60 mètres qui avait détonné une finale devant 7-8 000 personnes. On le retrouve titulaire aujourd'hui Antoine Roiné dans les rangs de Yengen Sport. Donc forcément, eh bien, c'est un match qui est toujours particulier et qui nourrit des attentes. Oui, c'est comme un peu moins aujourd'hui le Magenta Mandor de l'époque. Aujourd'hui, il y a ce Magenta Yengen, mais Yengen, il y a aussi cette connotation des joueurs qui vont jamais lâcher, des jeunes de province nord qui arrivent ici pour montrer leur football et qui sont prêts à aller jusqu'au bout de leurs limites pour montrer qu'ils existent et qu'ils savent jouer au football. Et puis depuis, effectivement, bah de l'eau a coulé sur les ponts, bien évidemment. Côté Magenta, il y a eu ce départ d'Alain Moisan, que l'on salue, qui est, il me semble, du côté de l'île Maurice désormais. Et effectivement, il a fallu bah, tourner ce chapitre, tourner cette page, changer de chapitre avec désormais donc Pierre Wadjoka, l'emblématique numéro 10 de l'ASM, qui est venu donc prendre la tête de cette équipe Fagnon de Magenta pour eh bien glaner un premier titre de champion l'an passé. Oui, il a bien fait.
Il a été assidu dans son travail déjà aux côtés de Alain Moisan, qui a dû lui Dont il était apprendre beaucoup l'adjoint. de choses. Il était l'adjoint, oui. Donc à son départ, il y a eu un petit peu de flottement. Quand il est revenu, Huawei ça a su justement créer et monter une équipe avec, comme on l'a vu, hein, comme tu l'as dit l'année dernière, cette embuscade qu'ils ont pu faire et prendre justement la première place à Gaïcha très intelligemment. Et finir champion. Donc aujourd'hui, à la tête de Magenta, on voit ces joueurs, ces deux équipes. Yengen, voilà, Yengen Sport, avec son capitaine. L'entrée donc des 22 acteurs et du corps arbitral avec toujours cette belle image, un jeune, un petit entouré des arbitres pour promouvoir cet arbitrage calédonien. Voilà, en tout cas, ça va partir, on l'espère, rapidement dans ce duel Magenta-Yengen sur, on le disait, effectivement, une belle pelouse. Ce qui devrait, on l'espère, nous promettre et nous garantir du beau jeu des deux côtés. Ce jeu de plus en plus abouti et construit côté Magenta. Et puis forcément ces facultés offensives côté Yengen Sport dans un jeu peut-être plus vertical, plus direct, mis en place depuis plus de 10 ans hein, quand même par Félix Tagawa. On salue quand même la longévité de Féfé à la tête de cette formation nordiste. Il avait pris les rênes de Yengen Sport en 2014. Il les a amenés au plus haut sommet hein, du football océanien Ouais. dans cette aventure magnifique. Et puis 2024 sera peut-être une année de transition, mais en tout cas sur le papier, Yengen Sport a encore de sacrés éléments à faire valoir. Le Le trio trio arbitral. arbitral, effectivement, Sylvestre Huisseau. Assisté de Monsieur Claude Chevellier et puis Marthe Kachawa, jeune arbitre espoir de l'arbitrage calédonien. Voilà, les joueurs de Magenta, toujours leur entraîneur, cette image d'André Sinédo, figure du football calédonien, mais pas que. Et voilà les deux coachs, deux joueurs, enfin anciens joueurs, Félix Tagawa sur la droite et Pierre Pierre Wadjuka. Wajoka, qu'on Ah, voit ils à se connaissent l'écran. parfaitement. Voilà, un petit coup de chambrage. Et oui, à force de se croiser en tant qu'ancien joueur. Puis, désormais, on le disait sur ces duels d'entraîneurs. Hein, parce que c'est vrai que Pierre Wadjoka était, avant d'être le numéro 1, longtemps adjoint du coach Moisan. Et bien forcément, ils se sont croisés maintes et maintes fois au bord des pelouses et sur la pelouse quand ils étaient encore un peu plus jeunes. C'est parti donc dans quelques instants avec ce coup d'envoi qui va être donné par Yengen Sport et notamment Jordan Wichia. Je le disais, John, attention, l'ASM est prévenu. Il y a de la vitesse hein, devant côté Yengen Sport. Il y a de la vitesse, il y a de la technique. Peut-être que on les voit à l'écran, ces deux joueurs là. Numéro 12, Amir Rouini, numéro 18. Ah, et Jordan puis à les Wichia battre compte aussi, et parmi puis. les Ouais. peut-être les plus rapides C'est ça. joueurs calédoniens de Super League en vitesse de pointe. C'est assez impressionnant. Ça, je suis tout à fait d'accord. Jordan Wichia, qu'on va. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur nos écrans. Voilà. Florian Gop. Côté Avec Antoine Pereira. Carvalho. Alors, Antoine Carvalho qui m'a fait Antoine savoir Carvalho. quand c'était Carvalho. Et pas Qui Pereira. était sur le nom portugais le plus important que Pereira. Ok. Donc on va l'appeler Antoine Carvalho. Et on le remercie pour cette information donnée. Attention. Superbe ballon! Quel Oh, quel arrêt! arrêt de Quelle première Christopher. occasion Bien pour le joué. meilleur buteur de la Super League, Germain Bah, Wegedi. bien joué, il s'est bien jeté. Le ballon est arrivé au bon moment. C'est Quel ballon Alba, de gauche. Maloko. Et l'appel est parfait. Ouais. Attention, cet axe central qui Bien joué. a mal couvert, ou en tout cas, il pensait que Christopher Yeone peut-être allait intervenir. Et ben voilà, 50 secondes à peine jouées, une première alerte On très voit très des chaude. ambitions.
On est très vite rentré dans ce classico. Et le corner à suivre, avec aussi le retour, vous l'avez vu, de Cédric Sanso dans les rangs de Yann Gensport. Je parlais tout à l'heure de Bertrand Caille et de son doublé pour sa première rencontre disputée cette saison. Mais il y a aussi ce retour Cédric Sanso lors de cette rencontre face à Mondor la semaine dernière, cette cinquième journée. Et c'est pas anodin forcément que Yann Gen se soit imposé pour ce retour aussi à la compétition de Cédric Sanso. Très important dans l'équilibre des nordistes, John. Oui, mais ça c'est ça leur c'est un gros poids justement dans la devant la défense de Yann Gensport et d'être de s'en priver depuis le début de championnat, ça a eu un impact. Et puis son retour aussi, on l'a vu. Enfin, on l'a vu, on l'a pas vu, mais on l'a entendu. Donc j'espère que aujourd'hui faire ressentir sa présence sur le terrain et montrer toutes ses qualités. Joka qui cherchait attention. En première intention. Fallait pas se tromper sur le rebond. C'est bien, ça va le mettre en confiance. Christopher Yewene qui tout doucement va certainement revenir à son meilleur niveau après deux saisons sans jouer. Wichia vers Alebat. Alebat, la remise, c'est bien fait. Yenta, oh, il a vu tout seul là-bas. Wichia et belle couverture de Gop. Jean-Chris Wadjoka maintenant qui peut relancer, c'est bien vu avec Loué Pac. Ouais, c'était un peu trop osé. En tout cas, il y a du rythme, il y a de l'intensité. Ou le bon ballon aussi. Oh, bien joué, c'est très très bien joué ça de la part de Dandewe. Ce petit ballon, malheureusement, il y a eu une incompréhension. Mais l'intention était bonne en tout cas, des deux côtés. Mal contrôlé côté Yann Gensport par rapport à la semaine dernière. John, le 11 qui avait été mis en place par Félix Tagawa, Bertrand Caille n'est pas là. Et puis on a aussi Roy Kayara qui est suspendu pour 3 jaunes accumulés sur les 3 mois. Donc voilà à peu près pour ce qui est de Yann Gen et des changements entre la 5e et la 6e journée dans le 11 de départ, tout du moins. Donc là, c'est ajustement. Du côté d'Yengen, avec quand même une petite frappe, une petite tentative de Wichia. Heureusement que la main était signalée. En tout cas, on aura un coup franc intéressant. Ouais, ça va être Dan, la patte gauche, oui, effectivement, de Dan Jewe. Le mur à deux mis en place par Oulil. Attention à Cédric Sanso. C'est tiré au second poteau. Sans problème pour Mika Oulil qui relance très vite, très belle relance. Et le contre avec Cyril Drawilo et Wagané qui se met un peu tout seul en jeu. La couverture de Boineau, attention à ce ballon plein axe, c'est récupéré par Jean-Marie Maloko. L'arrivée de Wallon, on retrouve Maloko qui est très présent dans ce début de match, Jean-Marie Maloko. Et c'est bien vu avec Drawilo maintenant. Et Alebat, magnifique ce qu'il vient de faire le jeune Nolan Alebat, qui était de la partie à la Coupe du Monde de U17 en Indonésie en novembre dernier. Ça joue bien effectivement, John. Ouais, ça joue bien des deux côtés, ça arrive à bien sortir. La justesse technique, effectivement. Comme Magenta, ils sont en train de s'ajuster. Romaric, Lepac, encore bien joué de la part de Cyril. Et Wadjoka qui l'attend, Jean-Chris, le capitaine de l'ASM. Oui, il y a de l'animation. Ah, on a ces deux joueurs qui sont devant Joshua Lemou. Donc, Jaiwe et Cyril. Sentinelle, Joshua Lemou aujourd'hui. Joshua Lemou qui est sentinelle et devant la défense. Et devant lui, on a un joueur qui est capable de prendre les sas. Puis il y a un autre joueur comme Jewine. Pour tenir les ballons. Tenir les ballons, voilà. Faire
Donc, s'il y a un milieu intéressant du côté de Magenta, s'ils arrivent à bien s'articuler, à bien se trouver, ils peuvent, la vue hein, sur quelques séquences là, durant ces 6 premières minutes, ça peut aller vite. Et Jean-Marie, qui lui sur le côté gauche, essaie d'apporter un soutien à la fois défensif et offensif. Deux changements également dans le 11 de Pierre Wadjoka aujourd'hui, John, avec Watou oui, et Chaillé sur le banc. Chaillé sur le banc. Et on Brunet fait, aussi. Hein. Brunet était. Et Brunet aussi qui. Qui était déjà sur le banc. Qui était la, semaine 10, ouais. La semaine dernière, il était sur le banc. On le retrouve remplaçant encore aujourd'hui, le jeune Brunet. Ouais. Mais c'est vrai qu'on refait confiance à Josua Lemou. Aussi au duo Awegené, Drawilo. Devant, parce que c'est vrai que Cyril Drawilo sera peut-être un peu plus haut sur le terrain que Jean-Claude Jewiné pour apporter son soutien au meilleur buteur de la Super League actuelle, auteur d'un triplé la semaine dernière, Germain Ewegené. Voilà, Jewiné. Jewiné. Bien fait avec Carvalho. Carvalho. Florian Gop. Ah, bien fait entre les lignes. Et dans l'intervalle avec Loepa qui s'est retourné, il décale Wadjoka au second poteau. La tête ouais, et l'ouverture ouais, du problème. Score. Elle est signée Jean-Marie Maloko. Ah non, c'est Jean-Marie Maloko. Ah ben, y a pas de. Enfin, la combinaison elle est bonne. Pas de c'est couverture. Oh, très bien joué. Dans cette défense à l'opposé et on voit ce superbe centre. On le sentait pourtant fuir ouais, en début. Et quel. Il a réussi à rabattre ce ballon. Tête magnifique. Jean-Marie Maloko qui était très en vue sur ce début de match, ouais. On disait, et bien, il vient conclure une très belle entame et surtout il permet à l'AS Magenta de mener dès la 0. 8e. Oui. Il a, oui, dès le départ, hein, tu as dit, il a donné un ballon donc sur Germain. Germain décisif. Et puis là, il est décisif. En confiance. Jean-Marie Maloko. Et surtout 1-0, le match est lancé. Ouais, et puis faveur on a quand même une équipe de Magenta l'ICM. Qui est bien en place, qui arrive à trouver des combinaisons qui sont intéressantes. On vient de le voir. Et à chaque fois, ils essayent de trouver dans l'axe et après exploser sur les côtés. Ah, bien fait ça, allez battre le petit ballon vers Wachia. Wachia au deuxième poteau, ce ballon qui n'est pas sorti, Roiné. Ouais, c'est il s'est mal amené le ballon. Ouais, allez battre aussi. Vraiment, enfin, hein. Très bon début de match. Très bon début de match. Ça joue, sans saut. Voilà, Yengen qui réagit très vite, qui essaye de mettre la pression sur ce but de Oulil. Bien joué. Ouais, vraiment 10 bonnes premières minutes ouais. Des deux côtés. C'est rythmé. Et il y a quand même de la rigueur. Des deux côtés, hein, ils essayent. On voit les joueurs hein, qui font l'effort de donner de la simplicité à leur jeu, de la vitesse et essayer de trouver de la verticalité. Soit par les biais des individualités, on l'a vu là avec, avec le jeune. Allez, bat. Jewiné au second poteau, c'est trop long. Et on le retrouve voilà. Justement, Nolan. Allez, bat. Ah oui, en 1 contre 1, il est. Très très bon, très très percutant. Joueur très technique, Nolan Alebat, un des grands espoirs hein, du football ouais. Calédonien, forcément. En tout cas, Yengen est mené assez vite dans cette rencontre et Magenta, donc qui. Va retrouver le. Qui préférentiel. Allez, trouver la tête de Cédric Sansot. Cédric Sansot. Oh, attention, second poteau. Ce ballon qui traîne, le dégagement confus de Wadjoka, c'est pas fini. Yentao. Yentao, Willy Yentao et Carvalho qui dégage. Ah, oula, main. Heureusement. Heureusement qu'il y a une main. Il va falloir faire attention aux compensations et à la couverture côté Yengen Sport. Sur cette ligne de 4, on avait vu que ça leur avait fait défaut. Le buteur Jean-Marie Maloko. Ouais, on a un bloc qui descend
tous. Seul Germain Raiwengene reste en pointe. Ça va débattre. Bien défendu de la part de Wallon. C'est pas fini. C'est pas fini. Allez, battre encore. Ouais, très dynamique, hein, sur son côté. Ouais, très explosif. Il anime à mort son couloir. Ouais, superbe. Encore. Allez, battre justement vers Wachia. Sanso. On cherche des solutions en retrait. Avec Dajewé maintenant. Ils sont acculés, les joueurs de Magenta, sur leur but. Ouais, et là, c'est mal donné. Continue, c'est pas grave. Mais c'est bien la réaction des Nordistes. Yanem. Ah, ils ont bien réagi, très vite, ils se sont portés vers l'avant. Oui, et après, mais ils étaient en place. Après, c'est vrai que sur cette combinaison au milieu, il était un peu esselé, comme il s'appelle, Loupac. Après, il décale à droite et un centre arrive sur la tête de Jean-Marie qui marque. Mais ils arrivent à être en place, ils arrivent à bien coulisser. Et c'est juste... Attention, justement. Allez, Maloko. Bien joué. Décoiré. Bien joué de la part de Balou. Oula, on espère que ça va aller pour Maloko qui reste au sol, mais ça va. Le buteur pour l'instant de ce premier quart d'heure qui permet à Magenta de mener. Dans un premier quart d'heure de... Bonne facture. Alors c'est vrai que Yengen a perdu quelques joueurs clés à l'intersaison, mais il reste vraiment très compétitif quand on voit une fois l'équipe mise en place aujourd'hui par Félix. Même s'ils ont perdu. Voilà, Alébat qui est vraiment en grande forme. Il gagne tous ses duels, Nolan Alébat, et il joue juste. Alébat encore, qui prend encore le dessus. Oula. Ouais, faute. Voilà, il n'a pas été de main morte, Wallon. Ouais, et la cheville. Heureusement qu'on voit, hein, Nolan Alébat, c'est un joueur qui a une souplesse de cheville assez... Après, on ne sait pas, parce que là, il est en déséquilibre. Là, ouais, ça, espérons que ça n'ait pas tourné. J'espère pas. On voit toutes ces qualités là qu'il nous offre en l'espace de... L'animation sur son côté, là, c'est... Il le fait très bien. Il donne du fil à retordre à Wallon, justement. Allez, battre jeune académiste. Côté de l'Académie fédérale FCF Jacques Zimaco. Et qui là, a été bien malmené sur ce duel au second poteau. Il y a peut-être un coup à jouer. Ouais. Corner. C'était pas beaucoup dans la surface de réparation, mais ils ont réussi à trouver de l'espace. Mais ils redescendent tous, hein, les joueurs de Magenta, pour défendre. Ils sont vraiment à 9 joueurs de champ qui se retrouvent dans la surface de réparation. C'est dire la peur qu'ils ont des attaquants de Yengen Sport. Ou la formation tout court du Nord, là. Et ils ont raison, ils ont raison. Avec son pied gauche, c'est sortant. La tête de Sanso. Par contre. Et le dégagement. Bien joué, sans problème. Décoiré avec son gardien, Yewene. Ça repart en phase de construction côté Yengen Sport. On va peut-être essayer de passer par-dessus la défense avec la vitesse de Roiné. Ah, effectivement, hein, tu le disais, John, ils sont conscients du trio offensif qu'il y a en face et ils sont assez prudents et ils ont, comme tu le disais, raison. Pour l'instant, ils sont bien en place, les joueurs de Pierre Wadjoka et cet homme, ce jeune joueur Alébat, qui tarde à revenir sur le terrain, mais ça serait je sais pas, si pas une bonne chose s'il ne va pas revenir. Pas, hein, je pense pas qu'il... Ouais, ce serait vraiment un gros coup dur. Ouais. Parce qu'il était très performant sur les premières minutes. Sanso. Sanso encore. Un peu par chance, ça revient sur le grand numéro 6 de Yengen Sport. Ouais, pénal. Et... Alors, qu'est-ce qu'il siffle ? Et la main. Il s'est filmé un pénalty. Pénalty. Ouais, il s'est filmé main de Jean-Christophe Wadjoka. Suivre ça, John. On va revoir, hein, sur les... Sur les ralentis. Sur les ralentis. Alors, on revoit. Je crois déjà il y a une faute, là. De C'est
Cédric, là, sur le coup, je pense, là, ici, je pense déjà qu'il y a une première faute de Cédric. Et jouer le ballon Après, il qui. joue le. Et c'est là. Elle Ah, est c'est pas mal. pas. Non, non, il n'y avait pas penalty, Je pense visiblement, hein, pas. sur les images en Ouais, tout sur les cas. images, on voit pas. Mais bon, Bon, comme on après, c'est le. signalé, c'est. Ouais. Non, mais c'est ce qu'il explique. Ouais, c'est plus le. Au niveau du buste, hein, entre le buste et l'épaule, qui a Eh non, touché le ballon. y a pas péno. Je pense plus qu'il est au niveau de la poitrine là, le vraiment au niveau du buste comme tu dis. Effectivement, dans les lois du jeu, ça ferait pas main. En tout cas, bon, Et l'arbitre, puis, Monsieur puis Wissot, qui déjà, a je fait son pense que choix. sur le Cédric là fait une faute, je crois que c'est sur Louis Pack. En tout cas, il y a bien penalty et c'est Antoine Rouinet là qui va essayer de d'égaliser. Allez, Amir Rouinet. Ça se chauffe un peu en bas là, mais on va Ouais. suivre ce pénalty avec Rouinet. L'égalisation de Yann Gensport, un but partout. Là, ça a retiré. Ça a retiré, ça a retiré parce que le. À retirer. Alors, ça tergiverse un peu. Ouais, donc c'est un joueur qui est entré trop tôt dans la surface. De Magenta, je suis pas sûr. Allez, donc rebelote, deuxième chance, deuxième tentative pour Rouinet. Ami Rouinet face à Olil, Rouinet. Et au même endroit, ça Au fait un même but endroit. partout. Cette fois-ci, le but est bien validé. Et voilà donc les nordistes qui égalisent. Rouinet répond à Maloko sur un pénalty qui fera forcément débat. Il faut se calmer un petit peu parce Ouais, après, que. faut oui. La décision a été prise. Faut se remettre dans le match. L'arbitre a décidé, mais il faut se remettre dans le match même. Si forcément, nous, derrière notre écran, on a constaté, justement après les ralentis, que bah, il n'y a pas forcément un pénalty et que c'est Ça a peut-être une souri petite aux hommes faute. de Félix Tagawa en tout cas. Un but partout et il y a aussi Nolan Alebhat qui est Qui est revenu sur le terrain, revenu. mais je crois qu'il boite Mais un il peu. boite, il boite. Et je crois que. On le voit là sur Ouais. le. Oui, le coup qu'il a pris tout à l'heure avec. Il était en déséquilibre en fin de course et Wallon, lui, il était vraiment face au jeu et il lui donne un gros coup justement sur l'insertion là au niveau de la cheville. Yentao. Attention. En tout cas, Yann Gen qui est dans un temps fort. Qui bénéficie de ce pénalty, de cette égalisation, mais la réaction a été bonne hein, du côté des nordistes. Ouais, mais on voit quand même une équipe de Majorca qui est bien en place, qui arrive à trouver voilà, Oh, ça joue bien, les ça phases de combine jeu. Voilà, superbement c'est. bien. Et heureusement la couverture de Tijitma, homme essentiel de cette défense de Yengen. Ah, deux belles équipes hein, pour l'instant. Ouais. Ouais, et puis bah justement, ils essayent de, malgré justement ce petit incident avec ce pénalty, ils continuent à essayer de jouer. Jouer au ballon, à trouver des solutions en progressant vers l'avant, verticalité dans leur jeu, soit Yengen ou Magenta, hein, mais c'est surtout Magenta qui essaye de justement de pas s'emporter face à des décisions qui sont difficiles à accepter. Il faut rester dans le jeu, il faut rester dans le match. Oui, surtout hein, sur ce pénalty, c'est un choix de monsieur l'arbitre Rissot. Oui. Et la faute sur décidément le jeune Nolan Alebhat qui prend des coups. Alors malheureusement, j'ai envie de dire, il a un jeu aussi Voilà. tellement fait de percussion que là, bah, effectivement, il y a faute, il n'y a rien à dire. On connaît la vélocité de Jean-Claude Jewinet. Ouais. Attention.
ça chauffe un peu. Voilà, attends, en tribune, il y a eu un, il me semble, un non avertissement. Buteur, vous le voyez, Antoine Ruiné. Nolan. J'ai l'impression qu'il boite un peu quand même. Alors, ça peut tenir hein, ses chevilles où il y a eu une torsion. Tant que c'est chaud, hein, mais après, ça devrait gonfler dès que ça va. Ouais, attention. On va voir, il est plus. Ouais. Là, pour l'instant, c'est compliqué parce qu'il a. Il a mal et on sait qu'il veut continuer. Oh, on va voir comment ça évolue. Directement en touche vers le coach Wajoka. Ça sera pour l'ASM. Avec Drawilo bien pris par Boisneau. En tout cas, sur ces 20 minutes, on a du jeu. On a du rythme. On a les joueurs qui, justement, qui sont bien en place ou qui essayent. Font l'effort de justement. Et puis il y a de la qualité, hein, technique. Oui, de trouver justement, ils font l'effort de. Et encore aller battre. Donner de la qualité. Et le bon ballon d'aller battre, il va très très vite ruiner. Il a, il a voulu piquer le ballon. Je sais pas, il a voulu piquer ce ballon. Parce que c'est vraiment. Ça part à gauche, attention. Il fait des différences sur chaque prise de balle, Nolan. Il va falloir se méfier côté gauche de cette défense de Magenta qui, pour l'instant, prend un peu l'eau. Oui, attention, Wallon. Pas trop cette distance entre lui et Alipat. Ne pas laisser le petit Alipat se retourner, surtout. Essayer d'être proche. De lui à bonne distance, à bonne distance et intervenir au bon moment, bon ton d'intervention, le bon timing, c'est ça, avoir le timing. Mais pour avoir le bon timing, faut vraiment déjà dès le départ prendre les informations pour être à bonne distance. Il s'en saut long au ballon en cloche, c'est récupéré par Danjewé. Ouais, faute. On va jouer avec Wechia, Jordan Wechia. Allez, c'est bien repris. Ouais, bien joué de la part de Florian. Ouais, très bien joué. Aussi, hein, qui est monté en puissance depuis l'an passé. Qui, a qui est titulaire maintenant. Qui est titulaire et qui, justement, ce match, hein, toujours, si vous nous rejoignez, Magenta Yengen, toujours un but partout. Après la 20e minute de jeu, d'égalisation par pénalty de Ruiné. Qui a répondu à Maloko. C'est ça. On rappelle donc qu'on est ensemble. Restez bien avec nous sur les antennes de Pacific Plus et l'AFCF TV Web dans la foulée de, de ce classico. Coup d'envoi 15h30, prise d'antenne à 15h23. Cougnet qui accueille le SM Djihou pour cette 6e journée de Super League. Là, ça va. Bien. Un peu de précipitation pour Carvalho. Et la longue relance. Attention, plein axe. Attention, attention. Attention, le rebond, c'est ça. Ouais, ça décale bien. Ewegene, quel retour de Boisneau. De Boisneau, bien joué. L'arbitre qui ne bronche pas. Attention, les moules a glissé. Héroïné, attention, c'est du 3 contre 2. Ça va vite, on le disait, devant avec Alebat. Bien anticipé de la part de Mika Olil. Ça va être aussi important. Cette hauteur du gardien... ou Lille. Ouais, ça va permettre. Il va falloir qu'il joue haut. Il va vraiment de Magenta, en couverture de cette ligne de 4 pour couvrir cette profondeur qui sera utilisée par Yengen Sport. On le voit, hein, ça combine bien. On essaye de trouver les espaces dans le dos de la défense. Il va falloir que Lille soit forcément très attentif. Il
Ah, Magenta qui essaye d'exploiter au maximum la largeur de ce terrain. On voit, hein, ça coulisse d'un côté à un autre. On travaille le bloc adverse. Tao, faute signalée par un monsieur l'assistant, suivi par son central. Ouais. Faute, rien à dire. Il a ceinturé. On va essayer peut-être d'allonger un peu côté Yengen. Tiens, allez, on va aller chercher Cédric. Jean-Luc Decoiré essaie de trouver Cédric Sanso. Un jeu en triangle, il va remuser. Ah non. Il a un plein axe. Heureusement, il est sur tous les seconds ballons, hein, Dan Jewé. Jordan, vas-y. Ah, c'est trop bon. Vraiment très intéressant, Dan, sur tous les seconds ballons, il est présent. J'ai l'impression qu'il élémente un peu ses ballons dans l'entrejeu. Ouais, c'est un joueur. En tout cas, j'aime voir Dan Jewé avec. Aller battre au milieu. Après, c'est vrai qu'il peut être efficace un peu partout. Petit aller battre. Et Jiwine, on l'a vu, essentiel aussi, lui, ouais, cette tenue de balle et ses orientations de jeu. Avec deux très bons milieux de terrain aujourd'hui. Drawilo, repris à faute. Ouais, pour l'instant, Boano, il fait son petit match. Hein, et pas beaucoup parlé, mais il est là. C'est la deuxième fois qu'il met fin à justement réaxer Nanterre en ce début de saison. Oui, parce qu'il était plutôt sur le flanc droit, latéral droit. Attention. Attention à sa relance, Yanem. Ouais, c'est bien vu. Ouais, attention. Et la belle défense attention, de Wallon. Parce que là, ouais, il a pris trop de temps, Wallon. Intérieur, on trouve bien joué, Louis ça Pack. Part à droite, c'est bien. Il y a des solutions. Le décrochage de Aiwegené. Wajoka qui recherche à nouveau Aiwegené. Germain Aiwegené. Avec un soutien, Jean-Christophe Wajoka, ça joue bien. Ouais, ça joue bien. Faut 2, magnifique cette action de Magenta. Ouais, heureusement, heureusement que encore par Boinou. Boinou aussi qui était là, vraiment il a. Quelle phase de jeu. Pour l'instant, il a une bonne lecture défensive, Boinou. Et sur une 2, ouais, trouvé par. C'est très bien joué, ils ont été patients, voilà. Josué Alemou avec super Cyril. Bon. Bien dosé. C'était. Et c'est l'arrêt de. Ouais, c'est l'arrêt de Christopher. Superbe combinaison et progression de Magenta. Ça, c'est ces phases-là qu'ils arrivent à bien trouver. Avec corner. Et on se dégage côté nordiste. Wallon. Ça retourne dans les pieds. Le petit pont de Cyril Drawilo. Maloko. On a entendu d'ici Christopher. Allez, arrêt décisif de Christopher Iwane. Christopher Iwane, ouais. Et on était tout proche du pénalty aussi, hein, parce que Cédric, oui, Cédric aurait pu accrocher le pied de Josua Lemou. Cédric Sanso. Allez, Matt. Et qui est là, Jean-Claude Jewiné. Voilà. Ça va être dur de lui prendre le ballon. Vraiment, c'est. Avec Joshua Lemou, il forme une bonne paire. Il y en a un qui est plus. Même si on l'a vu sortir tout à l'heure pour aller au but, Joshua. La plupart du temps. Ouais, le vrai, vrai sentinelle. Hein, sentinelle, voilà. Le voilà, hein, il remonte le ballon, il essaye de trouver la verticalité. S'il n'y arrive pas, et ben voilà, tourner. Repart derrière, Carvalho. Il progresse avec le ballon, trop tôt. C'est transmission. Carvalho. Encore une fois, Carvalho. Qui arrive à trouver Germain. Germain qui décroche beaucoup. Ouais. Et qui arrive à être trouvé entre les lignes. Et ça offre un coup franc pour Magenta Plenac. Si on va essayer peut-être de chercher dans cette surface de réparation. Alors qu'on vient de passer la demi-heure de jeu.
continuer à jouer au sol, comme ils l'ont fait là. Continuer, on est là-bas sur la droite, on a Jean-Chris. On va aller chercher. Mais là, j'ai l'impression qu'il va frapper au but. Et il faut la tenter alors. Voilà, et du coup, monsieur l'arbitre qui vient faire des mini pas. Mais le compas dans l'œil, il va les placer à 9 mètres. Hop. Et effectivement, il attente. Ouh, la barre transversale. Eh bien, John, t'avais vu juste. Et en tout cas, ah ouais, il peut, est y superbe a le ce coup franc. Ouais. Et ben avec lui, c'est malheureux qu'il prend pas beaucoup d'élan parce qu'il a une non, bonne frappe. Ah, c'était très bien tiré. Et ça a failli surprendre. De... Il essaye de prendre un peu plus d'élan, beaucoup plus d'élan, s'appliquer sur sa frappe. Ça s'est bien frappé. Attention. Digitement au duel avec Aiwagene. Je crois qu'il était hors jeu, Germain. Ouais, c'est ce qu'il dit Bonou. Retour en position. Et je vois Joka attention, qui a pris son couloir. Ouh, heureusement. Il faut aller vite, faut aller vite. Ah non. Pied haut. Faut il aurait dû la laisser. Non, c'est une touche. Les mots. Tu es winné. Ouais, toujours aussi serein. Jean-Claude ouais, Winné. C'est On est pratiquement en 4-2-4. Avec un Cyril Drawilo, en tout cas en phase de possession de construction, qui joue quand même très haut. Moi, je vois plus un 4-3-3. Ah, avec... Djewine qui va en 4-2-4, ça passe 4-2-4, 4-3-3, c'est que c'est... On a en tout cas les deux relayeurs qui sont Djewine et Lemou. Et Lemou, avec un peu plus haut Djewine. Et puis les couloirs quand même, on a Jean-Chris de plus en plus haut. Jean-Chris, oui, Jean-Chris et puis à gauche Maloko. Maloko. Qui par contre redescend pas beaucoup. Cyril. Et quand Cyril il décroche, c'est l'Ouépa qui passe pratiquement en hauteur de Germain. C'est ça. C'est pour ça qu'on se retrouve souvent avec cette ligne. Il faut qu'ils continuent à jouer comme ils ont fait hein, durant ces 20 premières minutes. Voilà, Pierre Wajoka. Ouais, sous les yeux de leur entraîneur, Pierre Wajoka. Donc ce jeu-là au sol, dès que c'est bloqué d'un côté, repartir de l'autre, ils l'ont fait au début. Il faut qu'ils continuent, ça, faut pas l'arrêter. Il faut continuer à... faire courir l'adversaire. Ou même du 4-2-3 hein, pourrait se retrouver avec cette ligne Drawilo. Mais c'est bien parce Maloko et Wajoka. Là où ça peut être intéressant justement cette façon de les approches que Pierre Wajoka veut faire justement intégrer à ses joueurs plusieurs formations tactiques, c'est après sur le terrain quand il y a une désorganisation qui se fait. Ils peuvent se réorganiser automatiquement avec des projets tactiques qu'ils maîtrisent ou qu'ils connaissent ou qu'ils ont déjà expérimenté. Donc c'est aussi une bonne chose. Après, il faut avoir les joueurs. Et puis assurément, John, c'est dans la progression, dans l'intelligence de jeu que Pierre Wajoka est quand même, on le connaît ses joueurs, il est quand même assez intransigeant. Il veut que ses joueurs aient cette réflexion ouais, au niveau je du jeu oui, c'est aussi une bonne et des déplacements et du placement. Oh, bien joué de la part d'aller battre. Et c'est bien aussi pour la progression justement de cette équipe qui, on le rappelle, est en reconstruction aussi depuis deux ans. Oui, d'une part. Et puis aussi, il y a cette échéance pour eux en Haut-Ligue où il va falloir, face à des adversaires qui parfois... modifient leur formation tactique ou de nouveaux joueurs qui intègrent les équipes étrangères, bah ça peut justement donner un plus. Panel ouais, un plus. Un panel plus étouffé de la part de Pierre Wajoka envers ses joueurs pour justement mettre en difficulté l'adversaire ou répondre justement à des difficultés qui peuvent être rencontrées sur le terrain face à des équipes comme la Nouvelle-Zélande qui domine cette O-League depuis maintenant bon nombre d'années.
Josua Lemou, c'est mal donné. Ouais, c'est pour... Plutôt dans un faux rythme là depuis 5 minutes des deux côtés. C'est normal, on a eu une très belle demi-heure de jeu. Et du coup on essaye de, d'allonger un peu. Pff, le duel de Titan là au milieu de terrain et Jiwine. Ouais, bien joué. Qui est encore. Je sais pas si Jean-Claude Jiwine pas beaucoup de duels hein, quand même par. Ouais, il est bien placé, il arrive à avoir une bonne lecture et puis derrière ses relances. Bah. Puis dans l'impact, il est un peu plus efficace. Quand même ouais. Assez impressionnant. Second poteau, encore une fois, il était. Vu, hein. Il a vu. Hein. Il faut que Décoiré, Jean-Luc, soit Balou, soit attentif. Parce qu'on a un Maloko là qui plonge souvent au second poteau, ouais. Comme il l'a fait sur le but. Ouais, et puis comparé à. À Jean-Christophe Joka, il redescend moins, je trouve. Donc, il est plus en permanence sur ce côté gauche. Et c'est bien parce qu'il va vraiment, vraiment prendre la largeur au max. Et si Balou n'est pas. Enfin, si Jean-Luc n'est pas. Jean-Luc Decoiré n'est pas assez attentif, concentré sur le positionnement de son adversaire, ça peut être dangereux pour. Ruiné. On va suivre cette action. Ruiné, Antoine Ruiné. C'est pas fini. Yentao. Et la faute, intervention de monsieur l'arbitre. Sur Carvalho qui reste au sol. On va voir. Ouais, c'est des duels engagés, mais pour l'instant, beaucoup de fair play entre ces deux formations. C'est dans le jeu, c'est l'intensité qui est donnée par le jeu, le rythme qui fait que bah, parfois on arrive à des situations où il y a un jeu qui est dur. Allez, battre repris avec Drahuilo maintenant, Lemou. Avec Gop intérieur. Avec Drahuilo, c'est récupéré par Yanem et là on commence à chercher de la verticalité. Côté Yengen, attention parce que Rogny va très vite et Carvalho était sous pression. Ouais. Il n'était pas sorti ce ballon-ci. C'est sorti. Heureusement pour Ami, ça lui, ça lui permet de. Pas justement être en difficulté. Joué de la part de Lemou, bien joué, une touche. Cyril, après, c'est. Il aurait dû jouer plus vite. Et ça revient dans les pieds de Sanso, pris dans la tenaille jaune. Ouais, c'est. Il y a un beau duel là-bas aussi, hein, à l'opposé, Yanem Wadjoka. Ils étaient déjà de la partie en Ligue des Champions 2019, les deux, alors que là, il y a un. Ah, hors jeu. Ils n'arrivent plus à trouver, justement, à les battre. Les joueurs de Yengen ouais, qui continuent, c'est le circuit qui mettait en difficulté donc ce côté droit. Attention, côté droit, ça porte. C'est bien joué ça. Ouais, bon ballon. Heureusement. Ouh, la volée. Ah, il pensait que Boinou allait toucher ce ballon, mais en tout cas ça a surpris. Et pas pu prendre, reprendre correctement ce ballon. Jérôme Haïwengene. Long ballon encore. Et c'est plein axe, hein. Faudrait que Christopher peut-être essaye de trouver un peu plus les côtés sur ses relances. Le voilà, Jean-Marie. C'était de la largeur, là c'est bien cadré. Et il y a le dédoublement qui arrive. Maloko, voilà, c'est il ça, attend. Wallon. C'est un peu long. Romaric Wallon qui retrouve Maloko. Alors on est assez c'est bien. Serein techniquement des deux côtés. On renverse c'est, le jeu. Voilà, ça, là, par ça contre, il fallait être patient et prendre le temps de coulisser correctement. Et de l'espace. L'espace pour aller battre John avec le grand pont tenté. Là, c'était un peu osé. Là, quand même, la petite boîte qu'il a pris tout à l'heure face à Wallon, ça l'a calmé. Il a plus le même. Ouh, attention à la mauvaise relance. Ah, bien heureux. Ah, et c'est bien repris. Bien joué ce retour. Ouais, faute. Il était fautif sur sa première intervention et quel retour ensuite. Ouais. C'est un peu l'état d'esprit de Norbert hein, qu'on aime voir. Lâche rien.
Oui, et puis combattant, il reste dans le jeu, il s'énerve pas, il essaie d'être concentré en permanence et pas se laisser distraire par justement ces. Attention. Il reste 3 minutes 30 Attention, il y a quelque dans chose cette qui se première passe période. Là. 3 minutes 30. Alors, discussion entre les deux arbitres. On appelle l'adjoint de Pierre Wadjoka, donc c'est Wadjanges qui est averti. Jokis. Alors, on sait que dans les nouvelles lois du jeu, John, tout le banc de touche, staff, joueur peut être averti et expulsé. Oui. Donc là, c'est Wadjanges. George qui est averti par monsieur Sylvestre Wahisso. Faute de Willy Ntao qui apporte quand même beaucoup d'impact dans ce milieu de terrain au duel. C'est aussi pour ça qu'on retrouve Willy, semble-t-il, aujourd'hui dans l'entrejeu du côté du coach Tagawa. Ah, et Gop. Ça part. Bien joué. Attention. C'est monté là. Faut alors jouer juste. Pour l'instant, on a un Bruno Yanem ouais, côté gauche qui prend qui le place. Dessus à chaque fois ouais. Parce que je trouve que Romaric n'arrive pas à faire les différences. Ouais, il n'arrive pas à faire la différence, mais comme il peut s'appuyer sur du jeu très rapide et simple avec Jean-Christ et Cyril. Peuvent arriver à faire la différence. Ah, bien joué. Attention, attention la vitesse attention. De Rouené. On le sait, il va très très vite. Et heureusement, Oulil. Oulil, ouais, heureusement que Oulil. Je le disais tout à l'heure, ça va être un élément important pour Magenta John, c'est que Mika Oulil soit très très proactif. Il faut, parce que face à ces trois attaquants qui peuvent être dangereux. Bien joué. La part de Wallon, il s'est jeté, le pied les battes. Voilà, ça c'est très très bien joué. Et la frappe. Pas fini. Je vois cette déviation en une touche. Qui va frapper angle fermé. Oui. Heureusement, elle est bien. Bon, fermé, l'angle était fermé. Oui. Poteau. Et la relâche est bien suivie par Germain Haïwengene. Qui lui va justement frapper ce corner. Peut-être l'un des derniers à cette première période. Il va chercher très loin. Wadjoka. Jean-Christ Wadjoka. Et on dégage comme on peut côté nordiste. On va tout doucement passer dans le temps de jeu en plus, le temps additionnel. Parce qu'il reste 20 secondes dans le temps réglementaire. Là, Florian Gop qui rassure quand même sa défense, mais de l'autre côté on a Boinou qui est pareil, qui arrive bien à être bien placé. Et voilà la différence faite côté droit par Loué. Pas un coup là, barre transversale. Là, c'était quand un même, centre-tir. Il y a quand même un peu de difficulté, hein. On le voit, Romaric qui est... Enfin, par chance, il aurait pu marquer. Ouais, ce par deuxième. Chance, mais il n'arrive pas à faire ce qu'il veut. Ouais, voilà, il est obligé de compter sur la chance ou le... On voit en fait c'est un centre raté qui ouais, finit sur la barre. Ouais, là-bas. Tout à l'heure on voit que c'est approximatif, c'est pas s'il n'arrive pas à trouver la rigueur de cette transmission. Et voilà, un long ballon. Ouais, il y a une faute. Il y a une faute de Cyril Darwillo. Pas signalé. Et voilà, voilà, bah une minute de temps additionnel. Temps de jeu en plus, donné par M. Wahisso, l'arbitre de cette rencontre.
Un but partout, John? Oui, fin de cette première période avec peut-être un léger avantage sur cette fin de première période pour l'AS Magenta. Où tout reste à faire, donc, tout reste à faire, dans cette rencontre. On se retrouve juste après la pause. On vous laisse avec le résumé des rencontres de la cinquième journée. C'était le week-end dernier, tout à l'heure.
De retour à Nouma Dele, on le voit, certains joueurs côté Yengen Sport sont en train de s'échauffer. À gauche également, ceux de Magenta. Peut-être qu'il y aura, John, quelques changements assez rapides dans cette seconde période. En tout cas, on en est à un but partout, puisqu'effectivement, Magenta qui avait ouvert le score assez tôt dans la rencontre par Jean-Marie Maloko, c'est ensuite fait rejoindre par Yengen Sport sur penalty. On va peut-être passer au moment fort de cette première période, mais c'est vrai qu'on a vu une 45 premières minutes avec deux bonnes équipes, parfois un jeu peut-être saccadé, mais en tout cas deux équipes bien en place qui essayent de construire leur jeu sur un profil, un style de jeu différent, mais on a vu deux bonnes équipes de notre championnat et surtout du potentiel offensif des deux côtés avec Magenta qui aura été la première à se mettre en évidence et notamment Jean-Marie Maloko avec cette superbe tête et ce superbe but qui ouvrait la marque à la 8e minute de jeu. Oui, il y a un peu de... On le voit là, Jean-Luc Décoiré, il y a un peu de relâchement sur son marquage, mais il y a eu quand même une belle combinaison. Et puis là, ouais, cette action, certainement une faute de... Petite faute quand même de Cédric, puis derrière... Une main signalée. Une main signalée qui a permis à ruiner de... D'égaliser. Et puis cette possibilité... Pour Yagen, mais c'est vrai qu'en général, face à une deux, Lemou, Cyril Drawilo. Et le bel arrêt hein, de Yewene sur cette superbe progression de l'AS Magenta. Ce coup franc aussi sur la barre. En tout cas, plus de buts dans cette première période. Mais voilà, on le disait, John, deux équipes plutôt bien en place. Oui, puis qui ont essayé de s'appliquer. Que ce soit sur leur placement, que ce soit sur le jeu, la transmission, puis les combinaisons. Donc on a des joueurs qui ont essayé en tout cas de produire du beau jeu, du jeu efficace, même si parfois il y a eu quelques déchets, mais la majeure partie du temps, on voit le comportement des deux équipes. On va s'excuser aussi, John, des petit souci technique à la mi-temps sur les résumés vidéo du week-end dernier. On voit cette belle image avec en arrière-plan la montagne et puis ce temps clément, il n'y aura pas de pluie. C'est vrai que c'est agréable pour les joueurs, on imagine, puisque il fait ni trop chaud ni trop froid, pas trop de vent. Pas trop de vent, mais il y a du vent justement, ça toujours un petit peu quand même, hein, dans le sud. Et donc cette journée qu'on suit en direct sur Pacific Plus. Et puis également sur le web, la FCF TV. Jusqu'en fin d'après-midi, on sera ensemble, puisque je le disais tout à l'heure, l'AS Cougné accueille à 15h30 le SNJO. On reprendra l'entête à 15h23. Restez bien avec nous. Avec ce public qui tout doucement arrive au stade. Et les deux formations qui, elles, refont leur apparition sur la pelouse. Notamment Magenta. Là, je pense que là, je suis pas sûr, mais après, je pense que Magenta devrait opérer des changements peut-être très rapidement dans les 10 premières minutes, hein, je pense. Hein. Parce que comme ils ont une équipe, quand on regarde le profil, hein, ils aiment jouer de cette manière. Ouais, c'est Pierre Wajoka à mettre un maximum de joueurs avec un profil défensif et puis en première période et puis en deuxième période de profil qu'il avait établi en première période où c'est plus sur un aspect défensif. En seconde période, il y a des joueurs qui ont une teneur plus offensive qui viennent justement apporter leur contribution à l'équipe. Donc je pense là à Jean-Marie hein, qui a marqué à gauche, je pense pas qu'il va aller à la fin du match. En tout cas, c'est mon avis. Au bout, oui, parce qu'ils sont à un partout. Il a besoin quand même d'aller gagner ces matchs. C'est des matchs importants à gagner, justement pour
éloigner les concurrents qui peuvent être les plus dangereux sur ce championnat. Et Sur cette phase Malorta, régulière. ouais. Donc ils savent, hein, les deux équipes, hein, ils savent que c'est un match clé, un match important, hein, sous la houlette Du du capitaine. capitaine Jean-Christophe Joka. John Magenta qui était, nous semble-t-il, hein, sur notre analyse, plutôt en 4-2-3 hein, sur cette 4-2, première période, avec ses deux ouais, c'est ça, relayeurs 4-2-3. récupérateurs, Lemou, Jean-Claude Jewinek, puis on Néoné. avait un Cyril Draouillot finalement C'est un électron libre à en moitié, numéro 10. ouais, qui sortait, qui Avec par revenait. moment, ouais, qui était au niveau à la hauteur de Wegener. Alors on avait pensé à un moment à un 4-4-2. Bon, après on parle de système, on le dit toujours, c'est l'animation qui compte C'est ça, effectivement. exactement. Et c'est ce qu'on met On le voit, hein, comme si animation sur le terrain, sur le terrain, c'est ça. qui fait vraiment le jeu d'une équipe. Non pas un système défini ou Non, prédéfini. c'est vraiment pour quadriller sur le papier, mais après sur le terrain, c'est vrai que ça bouge, ça évolue, ça formulé, reformulé. Justement, c'est pour ça que je trouve ça aussi bien ce que Huawei s'y fait. Pierre Wajoka a essayé de tester ou d'habituer ses joueurs à plusieurs formations pour pouvoir adapter, que les joueurs adaptent le plus rapidement possible la formation la plus cohérente pour répondre justement à une équipe ou à des joueurs qui peuvent être dangereux. On n'oublie pas aussi qu'il y a d'autres rencontres aujourd'hui qui notamment débuteront à 15h, puisque donc du côté de La Roche, l'Horizon Passau accueille le CA Saint-Louis. Et que du côté de Boeva, à 15h30, pardon, l'AS Mondor affronte le leader Tiga et qu'actuellement Gaïcha eh bien, défie l'AS Lossy, c'est un derby. Et on essaiera d'aller à la pêche au À la score comme pêche, à notre habitude. ouais. On va envoyer quelques petits messages, ou nous envoyer quelques petits messages, ou même Oui, ils vous peuvent, avez hein. le chat YouTube et YouTube pour nous Facebook. informer de l'évolution du score sur les différents stades, soit Boeva ou Marais. Mais en tout cas, on vous remercie de votre fidélité, que ce soit sur la chaîne Pacific Plus ou davantage sur le web. On Et voit quand puis même que le vent également au s'est levé. stade. Ouais, pardon, Romain. On voit que le vent il s'est levé là. Le drapeau qui. Ouais, c'est levé, ça soufflera dans le dos de Yann Gensport. Faudra tenir compte de ça forcément pour Mika Olil, le gardien de l'AS Magenta. C'est bien fait. Il y a Wegené. Et heureusement, un bon On voit retour. l'eau encore. Il est quand même assez loin là. Les battes, côté droit. A été touché à la cheville, qu'on a un peu moins vu après parce qu'il nous avait fait 15 premières minutes un peu de folie. Hein, Et les bien battes, joué. et on le retrouve justement, le jeune Alébat qui avait trouvé intérieur Yentao. On essaye de travailler ce bloc adverse. Dan Jewé, sans saut de la tête. Yanem, Bruno Yanem. Ah, il est Attention, pris. Romaric. Pas faire de faute. Louis Pack, bien fait que Ouais. Drawilo, mais le bon Voilà. retour de Peut-être que Romaric Yentao. aussi, hein, il serait impacté sur la rentrée des joueurs. En plus d'impact. Ouh, attention, qui a Attention. pris des risques avec Rohiné maintenant. Rohiné en 1-2. Ah, c'est un Là, peu c'est long. malheureux qu'il soit reparti sur le côté fermé parce que justement il y avait du monde sur ce côté gauche du terrain et Rohiné a choisi Grosse alerte, de hein, parce partir vers le que centre. Ouais, parce que il a là il pris y a une des grosse risques quand faute. même, Hein. Gop. Ah, c'est ça, il trouvait que. Il a fait une première mi-temps rigoureuse, Florian, et Florian. puis cette deuxième mi-temps là avec ce début de faire attention parce que ça peut impacter après sur la suite du jeu. Heureusement que ce 1-2 est mal géré. Grosse faute là de Yentao qui arrive en retard. Oui. On peut enlever sa confiance très rapidement sur des erreurs comme ça. À la main.
Avantage. Et une main, bien joué. Ah, bien fait, Loué Pack. Il faut qu'il s'applique. Loué Pack, Romaric Loué Pack. Au premier poteau, superbe le geste de Germain Ouéguéné. Non, c'était Jean-Marie Malocco. Il y avait en jeu. Il était venu piquer de son côté gauche vers le premier poteau. Et la petite déviation, j'avais cru un temps que c'était Germain Ouéguéné, mais c'était bien Malocco, le buteur côté Magenta, qui avait plongé premier poteau. On revoit, c'était bien vu. Et il y avait bien en jeu, bien arbitré. Ouais. Ah, j'ai hésité parce que je voyais Willy Yentao aussi qui couvrait un petit peu, mais il semblait bien en position illicite. Oui, Carvalho. C'est récupéré par Yentao. Carvalho aussi. Encore là. Ah, il a changé le jeu, mais c'est mal réalisé. Il arrive à étirer cette défense parce que. Il n'y a pas d'enjeu là. Wepak. Et il est tout seul. Bon, bien fait ça. Wepak qui rentre dans cette surface de réparation. Quel retour de Tijitma. Toujours là. Jordan. Tijitma. Veille au grain. Ouais, c'est lui le patron hein, désormais de cette défense. C'est vrai qu'aussi, je le disais, Roy Caillera est suspendu aujourd'hui. La tête de Sanso. Allez, il faut la tenter. Ouéguéné. Il se complique un peu, c'est pas fini. Et le centre ensuite raté. Et la relance de cette équipe nordiste. Arrivée hier soir sur Nouméa, John. Comme à leur habitude. On rappelle que quand même, c'est vrai qu'il y a des distances énormes à faire tout au long de l'année pour cette équipe de Yengensport. Certains sont sur Nouméa, mais la plupart. Une grande partie aussi sur Yengen. Attention à ce ballon récupéré. Djewiné, Jean-Claude Djewiné, c'est un peu long. Son toucher de balle, c'est pas fini. Et Sanso, qui ne prend pas de risque, ça devient un peu sur beaucoup de contre-attaques côté Yengensport. Ouais, mais ça c'est mal à ressortir ces balles. Hein. Non, mais sur ces contre-attaques, il faudrait qu'ils partent vraiment prennent la largeur parce que l'axe est vraiment fourni. Et sur la largeur, on regarde, il est très très haut à chaque fois, Jean-Christophe Joka, sur son poste de latéral. Donc il faudrait qu'Ami essaye de se positionner sur le côté complètement, complètement. Quitte à piquer aussi ensuite à intérieur, effectivement. Oui, après, mais vraiment qu'ils essayent de tirer cette charnière centrale de Florian et surtout fatiguer Jean-Christophe sur le côté qui monte très très haut. Tu oui. On a du mal à se trouver en ce début de seconde période côté des bleus et blancs. Côté Yengen, oui. Et toujours. On le voit, hein, il est déjà très haut, Jean-Chris. Même si le ballon part à gauche, l'autre côté, il reste haut. Et là, c'est là où il faut qu'il écarte. S'il récupère le ballon, si Amir Rouini. Il écarte sur son côté gauche, mais vraiment, il prend la ligne parce qu'il ne revient pas défendre. Et bon mouvement avec Germain Ouéguéné, la frappe d'Ouéguéné voilà, qui vient inscrire son huitième but. En six rencontres, quel joueur ce Germain qui est en confiance après un triplé le week-end dernier. Joué, voilà son huitième but et surtout de la saison et ce but du 2-1. Magenta qui repasse devant. La frappe croisée du gauche est un petit filet opposé. Magnifique. Ouais, il y a du rythme qui a été donné, de la vitesse. Hein, ils ont simplifié justement ce jeu. Puis au final, là, ce but.
a permis à Germain de se mettre justement ce jeu en une touche, en position de frappe. Une bonne position de frappe, et puis il a exploité vraiment au mieux. Et on le disait, Yann Guedes qui était un peu moins bien. Ouais, il sent moins bien sur. Nolan a moins, est moins percutant que sur les 20 premières minutes. Là, on le voit, il n'est pas. Il n'y est pas. Face à un changement, peut-être préserver au moins le joueur. Bien joué, Yannem. Ouais. Difficile, c'est ce contrôle. On devrait pas tarder à voir, je pense, Ivan Bami faire son entrée. Attention à ses couvertures. Il est pas en jeu, lui. Pas du tout. Il faut que Yengen retrouve sa stabilité qu'ils avaient eue sur la première demi-heure défensivement. On voit que le bloc commence à s'étirer, coupé en deux un peu. Ça le buteur. Difficile. Au milieu. Germain et Wegené. 8 buts cette saison déjà. Et surtout 4 buts en 2 matchs. Lui qui est dans le turnover aussi instauré par Pierre Wadjoka depuis la reprise. Ouais. Il a su quand même se distinguer avec 8 buts sur le début de cette phase régulière. Le premier tiers de cette phase régulière. C'est vrai que John, on sera au sortir de ce week-end à la fin du premier tiers de cette phase régulière de championnat. Donc c'est pas rien. Ça va aller très vite, donc il faut que les matchs soient joués avec beaucoup de rigueur. Bon, là, sur des équipes comme Yengen qui ont envie de justement performer sur cette année. Ah, bien fait ça, Christopher. Ah, c'est très bien là. Et c'est vrai que quand on sait qu'on va enchaîner ces rencontres jusqu'à la 13e journée, le 1er juin, le 1er et 2 juin, samedi 1er et dimanche 2 juin. Ça voudra dire que déjà, sortir de cette première période de championnat, on en saura un peu plus. Attention à la faute, effectivement, qui va être. Attention, signalé. Parce que ça peut être, si c'est le dernier défenseur, normalement, parce qu'il est. Ça a été volontaire, c'était une faute volontaire. C'est pas le dernier, mais quand même, il mérite un carton. Là. Coup franc axial, en tout cas, pas d'avertissement, s'en sort bien. Carvalho. Ouais, bien joué. Ça sort très bien. Faute utile, comme on pourrait dire. Oui, c'est une faute utile. Faute peut-être 35 mètres. 30 mètres, à peu près. Ami Roiné, il est pressé. C'est qu'il a envie de frapper ce ballon. Ah, il veut absolument. Il voit le vent. Aussi voir son équipe revenir au score. Ouais, et pourquoi pas inscrire ce doublé. Et puis il voit quand même sur ce début de première période, deuxième période, où c'est quand même Yengen qui est. On va suivre ce coup franc, il était bien parti. Ouais. Pardon John, je te coupe. Hein. C'est vrai que ce ballon était cadré, semblait y avoir la force, mais Ouli il était. Il était bien placé. Ouais. Tranquille, serein. Donc oui, difficulté pour Yengen sur ce début de seconde période. Ils se font un peu peur là, les deux axios de Magenta. Pas falloir qu'ils jouent trop non plus avec le feu. Et on revoit ce coup franc d'Amiro Iné. C'était puissant, bien placé, mais. Sans difficulté. Ouais. Pas surpris, Mika Ouli. Non, il était. Je parlais d'Ivan Bami, je me suis pas trompé. Avec également Claude Illy qui va faire. Qui va rentrer à droite à la place de Jean-Luc. Et Bami. Willy qui descend côté gauche de la défense latérale. Willy Yentao. Ivan à l'opposé côté droit dans cette ligne à 4. Et puis Claude Illy qui va se replacer au milieu de terrain aux côtés de Cédric Sanso et Dan Dewey. Ouais. Changement à l'heure de jeu. Le coach Tagawa qui sentait que son équipe avait besoin de. Il y a un peu de fraîcheur. Un peu de fraîcheur. Ouais, mais Nolan, là, il n'arrive pas
retrouver ces sensations du premier c'est quart d'heure. Oui, c'est ça. Ouais. À chaque fois. Ouais. Attention, les transmissions qui sont plus délicates, hein, vraiment depuis ce premier quart d'heure de la seconde période côté nordiste. Voilà, ça c'est bien fait. Et quel renversement de jeu, c'était bien l'idée, mais trop long. Ouais. Et ça repart avec Gop ou Lille. Gop à nouveau. Avec Djiwine, Gop, ça joue bien. Wojoka. Ouais, je cours, superbe progression. Il faut faire attention à cette défense disloquée de Yann Gensport qui pourrait profiter. Ouh, à Magenta. Et on le voit, hein, ils commencent à avoir cette défense en quinconce. Ouais, c'est. Il faut qu'ils réagissent très rapidement parce que pour pas après. Avoir un écart au score trop important parce que là il y a pour l'instant il n'y a qu'un petit but d'écart mais on voit quand même Magenta qui commence à prendre de plus en plus de confiance avec cette largesse défensive là qui apparaît. On avait vu la même chose un peu en seconde période contre Cougnier d'ailleurs. Cougnier, c'est ça. Donc, attention, il y a aussi peut-être le contre-coup physique avec des joueurs comme Cédric Sanso hein, qui reviennent à la compète. Préparation. Ruiné. Ah, superbe ça, ce ballon de Ruiné encore. Après, Nolan, il est encore. On a l'impression que Nolan, depuis sa blessure, il est sur le même rythme. Ouais, non, il est plus sur le même rythme. Il est. Il arrivait sur vraiment ce premier quart d'heure à faire des différences tonitruantes, changer de rythme, mais là, il est un peu. À mettre en difficulté. Mais on le voit, il tergiverse un peu, mais s'il est blessé un peu aussi. C'est vrai qu'il avait pris un sacré coup, hein, Nolan. Aïti Jitma. Je trouve qu'il boite un peu même. Ouais, il a du mal un peu. Ouais, Sanso. Le soleil qui arrive sur Nouméa. C'est parfait pour la suite de cette sixième journée. Super League. Yentao. Petit ballon vers Jiwe. Dan Jiwe. Yentao. Ah, c'est récupéré. Wepaki. Choisit l'intérieur. Maloko, la frappe. L'arrêt de. Bien joué. Ah, ils sont vraiment en difficulté, les joueurs de Félix Tagawa. Je pensais que Wawes allait faire un changement, mais en fait, non, l'équipe est bien en place. Et puis, Yengensport n'arrive pas à trouver des solutions, n'arrive pas à contrer justement ces attaques. Et surtout, ça devient très perméable ouais, défensivement. C'est là ils subissent. Ah ouais, c'est du attaque-défense. Ah, il faut être... Ouais, ça joue vite, il y a de la précipitation. C'est... Le problème, c'est quand on perd rapidement le ballon, ça. On a du mal dans les courses aussi de repli. Ça multiplie par deux les courses, la fatigue est multipliée par deux, donc après. Et le mental ensuite qui suit. Le mental, forcément, il prend un coup. Ça fait un effet boule de neige. Difficile après de jouer un match. Oula, ce ballon complètement redonné à l'adversaire, ça peut peut-être profiter à cette équipe de Yann Gensport. Allez, à gauche, il prend. Là, Nolan, il n'arrive plus. Là. Et il fait en plus faute. Ah, on voit sur la prise de balle là, de Nolan à gauche, complètement esselé. Ami, il fallait qu'il tire encore, qu'il
prennent la largeur, comme ça, même si le ballon il arrive, il est trop court, ils peuvent l'attaquer. Un ballon, c'est trop lent, qui est difficile à gérer, mais par contre, un ballon qui est un peu plus court, où on peut l'attaquer, peut être encore possible l'exploiter au mieux. Mais pour ça, bah, il faut faire les courses nécessaires, se déplacer rapidement, prendre l'info. Là, on le voit, il faut qu'il soit déjà là sur la ligne. Mais après, John, je pense aussi que ça pêche physiquement hein, chez certains. Et on peut faire ce qu'on veut au football quand physiquement on commence à être dans le Ouais, rouge. dans le rouge, c'est. On n'a plus la lucidité ensuite dans le placement, Ça. le Oui, il y a un replacement impact, hein, et l'enchaînement des techniques. C'est ça, quand physiquement on est fatigué, au niveau de l'oxygénation du cerveau, ça devient difficile et prendre les bonnes décisions devient rare. Et c'est vrai aussi que Magenta s'est préparé très tôt dans cette Oui, année tu joues bien. 2024. Ouais. Ça joue bien Ça joue bien, maintenant on le parce voit. que ils ont leurs repères, ils ont fait ces barrages de Champions League remportés Remporté et face à Grecia. victorieusement. C'est vrai que Magenta s'envolera vers Tahiti courant mai pour aller représenter la Calédonie à la Ligue des Champions océaniennes. Il y a quand même peut-être normal aussi plus de certitude côté ASM. C'est ça, Et et plus, physiquement, ils sont là. ouais, ils sont plus préparés. Après, c'est eux qui ont pris l'initiative d'avoir de se préparer plus tôt, de pouvoir justement avoir un jeu presque affiné juste avant la O League. Il y a un gros travail réalisé par Travail réalisé le oui, staff. par le staff, donc oui. Après, derrière, Yangen aurait pu. Bon, je ne sais pas comment leur préparation a été faite, mais. On voit hein, qu'il y a des difficultés, soit sur l'aspect physique, soit sur l'aspect technique. Et puis voilà les nouvelles arrivées avec Cédric Sansot qui vient d'entrer intégrer le groupe. Jordan Wetia, qu'on n'a pas beaucoup vu durant Ouais, pas trop vu cette hein, là rencontre. aujourd'hui. Attention, hein, ça peut Mais on sait que c'est un en une attaquant et action. que à n'importe quel moment, ça peut être dangereux pour l'adversaire si. Ce qui est plus inquiétant vraiment aussi, c'est ces boulevards, ces espaces laissés dans le dos de la défense désormais. Côté Yengen et Magenta pourraient en profiter effectivement. C'est bien. Sakoulis, ce choix qui fait ce travail de ces glaces-là, aller à droite, à gauche et puis distribuer au mieux les ballons. Drawilo, ou ce Aussi bon que. ballon, et Ah ben ça Wegener fait qui trois. vient s'offrir un doublé et surtout offrir à Magenta le but du break. Ça fait 3 buts à 1, ça devient plus difficile pour les Ouais, Nordistes. dès qu'il est, il a eu, il a pris son temps, il a pu prendre son temps en tout cas Cyril Drawilio là au centre, au milieu, tout seul dans l'axe, là le voilà, hop, et puis il a donné un ballon. Superbe ballon. Et la finition, que dire? 9e but de la saison Tout le monde était tactique, tout le monde pour Ayew regardait. Egené. On va revoir au ralenti, notamment sur la position de hors-jeu ou non, mais vraiment là, sur la première image, il ne nous semble pas Oh non, 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 enfin, du tout moi je hors-jeu, trouve pas. Germain Wegener. Je peux me tromper, mais. Et quelle passe de Cyril Drawilo. Ah, ça fait mal à cette équipe de Yengen Sport. Ah, ils essayent de jouer, ils essayent de faire tourner, ils essayent de le faire le plus simplement possible, avec beaucoup d'efficacité. En tout cas, ils essayent, et ça, c'est. Cette initiative est une bonne chose. Après, si ça manque d'application, c'est pas grave, ils peuvent le travailler, mais déjà les intentions, elles sont là, de vouloir produire du beau jeu et surtout du bon jeu, de bien jouer. On revoit donc ce but et ce petit ballon subtil Ouais, passe. Il n'y a pas en jeu, il est par couvert hein, ouais, par par Youli Yentao. Yentao. Oh, oui. Merci la production pour cette image. On le voit, Diawine, il est obligé de venir justement. Et c'est bien, c'est une qu'ils viennent prendre la place. On retrouve Diawine. Attention, Oh, bien à... joué. ils sont en difficulté. L'équipe de Yengen Sport, Maloko.
La frappe, la lucarne voilà. Posée, ça fait 4 buts 1, 2 doublés côté ASM, ouais. Celui de Aïwe Gené et désormais celui de Maloko. Et voilà. En quelques minutes, score aggravé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, si Yengen n'arrive pas à envoyer le jeu de Magenta qui était justement cette. C'est avec leurs automatismes 4-1, on voit cette frappe qui vient se loger sous le. Sous la barre, qui est au côté opposé. Jean-Marie Maloko pour son doublé. Quel but ? Ouais. Ah, mais c'était. On s'y attendait. Hein. Il y a peut-être pas les buts, mais justement, cette, on le voyait hein, sur le terrain que Magenta va arriver à maîtriser son sujet. Et ça fait forcément les affaires de Magenta, mais ça se complique pour Yengen Sport qui, désormais. 3 buts de retard et c'est difficile sur cette seconde période. Et puis il y a 2 changements là. Ils sont opérés. Alors, Emmanuel Kayara qui va faire son entrée. Christian Kouaili également. Voilà, Nolan aussi qui malheureusement n'a pas pu retrouver toutes ses qualités à la suite de sa blessure, ce coup reçu en première période. Et Willy Yentao. Willy qui sort également. Et l'entrée de Waga. En tout cas, 4 buts à 1 et Magenta se dirige tout droit vers une quatrième victoire en 6 rencontres. Et c'est pas fini parce que ça continue. Il reste 30 minutes. Centre et Wegené, voilà. Le triplé. 5. Triplé. C'est pour Wegené. 2 minutes plus tard, ben voilà, un but de plus. Et c'est son deuxième triplé en 2 week-ends. Bah, bravo week-end, à lui. Ouais. Et bah il en est à 10 réalisations. En 6 rencontres. Mais là, on disait, attention, il y a beaucoup trop de largesse sur cette seconde période. Et la conclusion, elle est magnifique. 5 buts à 1. Aïe, aïe, aïe. Yengen Sport. Ouais, ça va être difficile, là. On tombe dans ses travers défensives. Ouais, mais physiquement, on l'a dit, sur cette seconde période, Magenta a vraiment pris le dessus. Ouais, 2 entrées. Brunet et Watou, en plus, qui vont rentrer. Donc, bah, 2 éléments offensifs. C'est dommage hein, parce que Yengen a fait une belle première période. Et déjà vers la fin du premier acte, on sentait qu'il y avait. Vous voyez sur la première période, c'était sur la fin de la première période. Vous voyez. Ah puis là donc Djewine, je pensais que c'était. Préservé. Djewine et Cyril Djawilo qui sortent, qui laissent leur place à Jimmy Watou et Brunet. On rappelle que Magenta effectuera son match du 4 mai, c'est-à-dire de la 9e journée. Donc ils joueront Magenta face à Saint-Louis, puis après ils s'envoleront pour Tahiti. Donc il y aura 3 matchs décalés hein, de la S Magenta, en Super League en tout cas. Après, il faut faire attention à ne pas prendre l'eau hein, quand même. Côté Yengen Sport, Brunet voilà, quel bien joué, hein, c'est vraiment. C'est une démonstration. C'est altruiste de la part de Germain sur ce coup-là. Super. Ah, et puis bah, la rentrée en jeu de Brunet qui montre bah, justement cette finesse technique qui va mettre ce ballon piqué au fond du filet. On le voit, hein, cette 1-2 bien joué avec ce. Magnifique et ce petit ballon par-dessus le gardien. Ils sont en train de s'écrouler les nordistes. Ouais, là ça peut faire mal parce que c'est toutes les 2 minutes qu'ils prennent un but. Donc à ce rythme-là, il reste encore 25 minutes. Un quart d'heure. Un quart d'heure. Je suis en train de voir aussi les, les étoiles. Un quart d'heure, ouais, fait. Ça me fait mal pour cette équipe qui on voyait hein, sur les 20 premières minutes qui, de la première période qui montrait justement. De bonnes choses. Ah oui, un potentiel de bonnes choses. Et puis, bah, ça a été sur cette blessure, là, cette faute qui, sur Nolan Alebat qui, petit à petit, la physionomie a changé. Mais aussi, hein, c'est Magenta avait montré dès le départ ses ambitions et cette qualité
sur le jeu qu'il pouvait exposer. En tout cas, John, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un tel écart entre ces deux formations. Entre ces deux équipes. Hein, c'est... Moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un tel score hein, pour l'instant, mais bon. Pour l'instant, non, mais. Très vite passer à autre chose côté Yengen Sport qui recevra Gaïcha le week-end prochain, parce que là, c'est vrai que la défaite semble quand même intéressante. Oui, ça y est. C'est... Après, il ne faut pas lâcher pour. Non, mais après, pour positiver, comme ils disent, hein, les Nantais, hein, mieux vaut prendre. Une fois 6 buts et au lieu que 6 fois, fois un but. 6 fois 1-0. 1-0. Perdre 6 fois 1-0 et perdre une fois 6-0 ou 6-1. Donc, En tout cas, Yengen qui encaisse énormément de buts hein, cette année. Ça, c'est quelque chose qui va falloir gommer. En tout cas, sur cette partie-là, ça fait beaucoup quand même. Ouais, ça fait beaucoup. Mais... Parce qu'ils ont déjà pris ce 5-0 contre, contre Tigasport. Contre Tigasport, ouais. Non, faut qu'ils continuent de travailler. Il y a du potentiel, il y a des capacités du côté des bleus et blancs. Il y a de la qualité. Il y a de la qualité. Après, il faut juste ajuster sur le placement, sur les. On voit un placement-déplacement, c'est difficile hein, pour les joueurs. Là, ils se retrouvent à 3 contre 3. On voit hein, cet écart entre les deux lignes. Et on passe quand même à 15 buts encaissés en 6 matchs. Ça fait beaucoup pour cette équipe de Yengen. On se rapproche plus du 3 buts par match. Que... Ouais. Allez, deux autres changements. Shaihei qui rentre à la place. Le double buteur. Et Carvalho, et voilà Jean-Marie, et je crois que c'est Taubama. Oui, Ezekiel Taubama qui rentre au milieu pour la fin de match. Qui va rentrer à la place de Lemou, et Lemou qui va descendre derrière à la place de Carvalho. C'est bon. C'est le premier, je crois, c'est le premier corner de Yengen Sport sur cette deuxième période, sur cette seconde période. Que je suis pas sûr, hein, peut-être que je me trompe. Pour l'instant, ça fait 4-0 sur la seconde période. C'est vrai que c'est dur, beaucoup. Hein, et dur à encaisser. C'est peut-être le. Je suis pas sûr. Faudrait revoir les. C'est peut-être le premier corner. J'ai pas les. S'ils avaient les stats du côté de la Real, la production. Le nombre de corners qui a été tiré en seconde période. Allez, Jewe, on va essayer de réagir hein, quand même. Côté Yengen Sport, ça va rester aussi sur cette première de jeu. Tu le disais tout à l'heure et à l'instant, John, mais voilà, pas lâcher dans les têtes les joueurs qui semblent en tout cas vouloir essayer d'aller peut-être réduire un peu la marque. C'est vrai que le score est lourd. Oui, le score est lourd. Attention. Ça, par contre, ça, c'est une chose dont on l'a vu à 2-3 reprises du côté de Magenta, ces petites erreurs-là dans l'axe où on prend des risques, on fait des passes dangereuses. On l'a vu tout à l'heure avec Florian. Après, là, on vient de le voir avec Taouvama. Pereira aussi, enfin Carvalho aussi. Donc, ces prises de risques ou ces jeux dangereux que... On peut avoir cette charnière ou cette défense de Magenta, ça il faut faire attention, il faudrait effacer, il faudrait rectifier. Oh, bien joué de la part de. Ah, bien joué encore deuxième. C'est pas fini. Bami, ça joue bien. Et le but, la réduction du score, elle est méritée. Ah, on est content pour cette équipe de Yengen et pour Dadjewé. Ouais, c'est bien, ils peuvent continuer, il faut pas lâcher. Avec ça part de ça, là, cette petite erreur à la base. Peut-être qu'on dit ça, c'est loin, mais. On voit un triple arrêt de. Ouais. D'Oulil jusqu'à cette frappe en pivot magnifique de Dadjewé. Quand même, ça remet un peu plus de cohérence dans ce score. Si ça faisait sévère pour cette équipe de Félix Tagawa qui n'a pas démérité tant que ça. Oui, ils n'ont pas démérité, mais l'équipe de Magenta n'a pas démérité aussi. Exactement. De mener de 5 buts parce qu'ils l'ont. Ils l'ont montré dans le jeu, on a vu hein, sur les différentes phases de jeu, ils ont pu
mettre en difficulté, mais pas qu'une seule, mais à plusieurs reprises, cette défense de Jengensport. Oui, donc attention, attention, hein, cette équipe de Magenta a pas s'enflammer derrière, essayer de rester humble et simple, justement pour éviter ce genre de situation où on prend un but en première mi-temps. Je crois que c'est l'erreur de Florian, et puis la deuxième là, c'est parti d'une petite erreur à la base de derrière, où c'est une mauvaise relance. Brunet. Ouais, faut récupérer la faute. Alors, un petit score qui nous vient de Boeva. Parce que Gaïcha qui mène 2-0 pour l'instant. Ah, face à l'Aussi, des buts signés Johan Bako et Pascal Luna. Si, ça devient de plus en plus difficile pour formation. Après avoir pris 5-0 la semaine dernière. Ouais, équipe très jeune côté l'Aussi. Ça fait deux ans. Qu'on n'a pas eu encore l'occasion de commenter, mais non, ça ne serait tardé. Puisque ça sera la semaine prochaine. L'Aussi Passo sur nos antennes. C'est pas bien joué, c'est ça, c'est ce côté gauche. C'est ce côté gauche, faut qu'ils aillent. Ah ouais, là, il y a faute. Il y a grosse faute. Là, c'est carton. Là, faut pas. C'est ça où justement cette équipe de Magenta, faut qu'elle travaille. Parce que c'est clair, elle a montré un très beau visage. Après, derrière, faut cette efficacité défensive, faut qu'elle soit encore plus conséquente que ça pour aller justement se confronter à des équipes de l'extérieur. L'avertissement. Pas tant sur le niveau local, mais pour pouvoir s'exporter, il faut un peu plus de rigueur défensive. On le voit, et il y a du potentiel. Ils ont montré un très très beau visage aujourd'hui, mais c'est pas assez. Il faut continuer. Bah pour passer les étapes entre guillemets internationales, il est certain que il faudra jouer sur les détails, sur cette consistance dans le jeu et sur un match complet. Et c'est vrai que Magenta aujourd'hui fait une très belle prestation. Mais il faut un peu plus de rigueur défensive pour aller titiller les gros calibres de l'extérieur. Après, le trou d'air côté Yengen qui aurait été fatal, hein, clairement. 20 minutes où ils sont passés complètement en travers. Et c'est là où justement il faut faire preuve d'intelligence de jeu. On sent qu'on n'est pas bien, on se remet sur des bases solides défensives et on attend que la marée passe. Exactement, il y a des temps forts et des temps faibles. Et la gestion des temps faibles, elle est vraiment très 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 importante, comme celle des temps forts. Mais justement, la difficulté sur les temps faibles, c'est qu'on est exposé et on peut prendre des buts. Puis dans ce cas-là, et ben on en a pris 6 du côté de Yengen. Et c'est pas démérité, c'est vraiment mérité pour Magenta, mais c'est malheureux pour Yengen Sport. On le voit encore, une erreur. Jouer côté droit là pour Jimmy Watou. On le voit, il est complètement esselé, le joueur de Magenta. Oula, il y a un coup là. Ouais, ça commence à. Sanso qui devrait être averti. Bien sûr. Il ne voulait pas qu'il reste au sol. Il va aller s'excuser malgré tout, Cédric. Avertissement logique, bien arbitré. Restez bien avec nous. Kounié Nedjeou, c'est à suivre. 15h30 le coup d'envoi. On sera ensemble pour la 6e journée. Donc de Super League, la suite de cette rencontre Magenta Yengen. Pour l'instant, 8 buts ont été déjà inscrits. Et je le disais, Gaïcha qui mène 2-0. Du côté de Boeva, John, ça fait déjà 10 buts en deux matchs. C'est festival beaucoup. De buts. Ouais, c'est beaucoup. C'est la fête du but. Même, on le voit, Magenta, où difficile défensivement, et ça c'est le problème de nos équipes, hein. C'est cette qualité défensive qui est soit sur des erreurs de placement et surtout sur des erreurs comme on l'a vu en première mi-temps avec Florian qui prend à la légère, on le voit encore. Ah oui, il l'attend, bien vu encore. Et le retour Doumil et Jordan Ochia, qu'on n'aura vraiment pas beaucoup vu Boula aujourd'hui. Lui qui est
tellement percutant et menaçant d'habitude. Là, il a été étouffé, pas eu beaucoup de ballons. Ouais, il a pas eu beaucoup de ballons, il a pas. Ouais, bien joué. Donc oui, c'est 5 minutes qui restent pour cette équipe de Yengen. C'est de réduire le score, mais je pense que le résultat, il est clair, je pense. Pas. Attention à ce ballon. T'es menaçant. Ouh, le beau petit pont. L'autre côté. Ouais, c'est ça, faut aller vite. Ils sont proches, les joueurs de Magenta, pour intervenir. Mais après, derrière, faut que les joueurs de Yengen arrivent à voir rapidement le jeu. On va aller chercher de l'autre côté à droite. Taouvama. Oui, Pac. On voit cette défense de Yengen là sur le. Juste cette situation où on se retrouve avec des côtés désertés. Désertés, c'est ça. Et forcément, il y a du surnombre après. C'est tout le travail qui attend cette équipe et le coach Fefe, Félix Tagawa, pour essayer de repartir sur une dynamique positive. Ouais, c'est pas le talent qui manque dans cette équipe. Non, c'est pas le talent du tout qui manque. Après, c'est juste cette rigueur technique, tactique. Bon, c'est pour tout le monde, hein, la plupart du temps. Et trouver de la régularité dans la rigueur, c'est encore plus difficile. Et là, on est sur du 1 contre 1 pratiquement. Ouais. Avec Germain Ewegene qui peut accélérer, il va très vite. Germain Ewegene, ouais, attention, le pénalty. Ah, si, il va siffler. Et oui. Ah, bah oui. Et Germain qui va aller mettre son quadruplé et passer à 11 buts en 6 matchs. Non, attends. Ça y est, qu'il lui a demandé. Ah, il faut qu'il laisse à Germain. Ça lui. Il est obligé de lui laisser, John. Ouais, mais bon, c'est un beau geste de la part du grand. Le grand frère qui laisse au petit frère, c'est bien aussi. Ça va donner bien. Aussi. Il va être content. Allez, c'est Robert. Ça y est. S'il marque, il va pouvoir faire le tour du terrain. Donc avec le but du 7-2. Ça fait beaucoup. 7 buts encaissés pour cette équipe de Yengen. 7, c'est beaucoup. Okay. Et c'est rare pour cette équipe, forcément. 7-2. Mais c'est pas grave parce qu'ils ont un support audiovisuel pour pouvoir justement visualiser tout ce qui pourrait travailler, tout ce qui peut où ils peuvent progresser, où ils peuvent ajuster. Ils ont la vidéo. Et puis ils ont encore pas mal de matchs en championnat pour se remettre dans le bain. Et donc, pour celles et ceux qui nous rejoignent, vous ne rêvez pas, c'est bien 7-2 pour Magenta. Yengen qui a pris 5 buts en seconde période, c'est des vagues jaunes offensives, beaucoup d'espace. Ouais, et c'est vrai que cette défense de Yengen s'est tout doucement, progressivement disloquée en seconde période. Ça a été payé cash par cette équipe nordiste. Coupé en deux. Trop étiré ce bloc. Et Magenta a su parfaitement l'exploiter. Ah, l'arbitre de touche. Il s'est claqué. Ouais, il s'est claqué. Claude Chevalier. Envoie. Claude. Oui, hein, les arbitres aussi répètent les courses. Il ne pourra pas continuer. Hein. Attention,
Allez. Et Diane, il peut la mettre. Hop. Ah, Dan qui a fait il un bon match. Il aurait dû la frapper directement. Il aurait pu. Ouais, Claude Chevalier, l'arbitre assistant qui s'est blessé. Ouais. Malheureusement, il n'y a pas de quatrième. Bravo. Ouais. Ça va être dur d'aller au bout, mais il va tenir peut-être une belle image aussi avec Félix Tagawa qui va prendre le drapeau. Allez, Sanso. Sanso. Ah, il tente un geste. Ouais, il peut siffler. Il aurait pu siffler un petit péno pour Young & Sport parce qu'il y a un petit accrochage, c'est pas grave. Ouais, il va siffler et en plus il y a son collègue assistant qui est blessé. Ouais. En tout cas, voilà, ça va être une victoire assez nette pour l'AS Magenta. Ah, Young qui va devoir. Pas fini, il a pas sifflé encore à la fin. Ouais, il siffle, il est blessé, monsieur Chevalier. Bon, le score est acquis, donc il n'y a pas de suspense. En tout cas, Magenta qui va s'imposer. Ouais, c'est une belle victoire hein, de la part des joueurs de Pierre Wajoka. C'est la deuxième en deux matchs d'ailleurs, oui, après cette défaite de la contre Gaïcha. À l'approche de l'échéance aux ligues, c'est de bon augure pour cette formation de Pierre Wajoka et Georges. Ils font plein de confiance offensivement. Là, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Ah, ça pareil, c'est des petits détails, mais il faut que Germain, en fait, sur les fins de match comme ça, sur des... qu'il soit continuer à garder la rigueur sur les déplacements, sur... Et c'est aussi sur ça qu'il doit travailler, ses déplacements. Mais c'est ça, faut qu'il... Mais savoir jouer avec le hors-jeu pour l'attaquant de pointe, c'est primordial. Et Germain, surtout lui, qui a de la vitesse. Prend de l'avant sur les défenseurs. Mais... Donc ça, c'est un des challenges aussi pour lui, de pouvoir être régulier et puis efficace sur ses appels, sur ses... Parce qu'il plonge. Déjà qu'il met plein de buts. Ouais, déjà, mais il pourrait encore en mettre un peu plus. 10 buts hein, pour Germain. À l'issue de ses 6 premières journées de championnat. Donc, cette bonne augure, c'est vrai pour la suite. Et pour Magenta, qui peut compter sur un buteur prolifique. Il n'y a pas que lui, hein, bien sûr. Ah, alors que Yengen devra rester sur ses points positifs. Ils ont eu des belles séquences. Un gros trou d'air, je le disais, en seconde période. Et donc, monsieur l'arbitre qui n'a pas de pitié pour son collègue. Non. Monsieur Waïso, je rigole bien sûr. Ouais, c'est de vrai bonne que formation. Il va jusqu'au bout. Oui, il va aller jusqu'au bout. Monsieur l'arbitre. Eh bien voilà. Voilà. En tout cas, on aurait vu deux belles formations, mais quand même, hein, aujourd'hui, la rencontre aura montré que Magenta est au-dessus, qu'ils sont préparés, que ils ont des ambitions et qu'ils les montrent. Et sur le terrain, on voit le travail qui est effectué, à l'image de ce score, qui reflète aussi la bonne animation et la rigueur qu'a pu présenter équipe de Pierre Wajoka qu'on voit à l'écran face à et beaucoup de fair play aussi dans cette rencontre. Félix Tagawa forcément qui doit être déçu mais qui sait que cette seconde période ça a été difficile, vous voyez hein, tous ces buteurs qui remplissent cette case en bas du score, notamment ce triple buteur Germain Wegené. On va peut-être revoir les buts au moins de cette rencontre. Il y en a 9 buts pour le résumé. On rappelle que Gaïcha a mené 2-0 aussi du côté de Boeva. On vous donnera le score final face à l'OSI de Gaïcha tout à l'heure sur la seconde partie, la seconde rencontre télévisée du jour.
Et c'était parti fort avec ce superbe but. Tu le vois, ils sont en retard, les défenseurs. Jean-Luc est très loin. Il n'a pas assez. Ouais, c'est trigger de placement trigger, défensif voilà, qu'il va falloir travailler vraiment. Parce que on sait que devant, Yengen marquera toujours des buts. Oui. Avec là l'aide de ce penalty transformé par Antoine Roiné. Ça faisait alors un but partout et on a vu une rencontre, une première partie de rencontre équilibrée avec un Olan Alebat qui malheureusement aura été touché à la cheville, ce qui aura quand même impacté sa performance sur le reste du match. Donc on avait encore en première mi-temps cet équilibre qu'on pouvait avoir entre les deux équipes. Ouais, cette belle barre de Florian Gob qui s'est essayé à 30 mètres. Ouais, le haut de la barre transversale. Quelques beaux gestes de part et d'autre dans ouais, et puis cette du jeu simple, du jeu rapide. Cette tentative de Jean-Marc et derrière qui encore Germain. Et puis cette seconde période qui le voilà encore les allez. Ce que j'ai signalé sur la défense de Magenta où il y a des prises de risque qui sont vraiment pas on le voit déjà pas sérieux. Sur ces enchaînements, ces beaux mouvements ouais, initiés par cette équipe de Magenta, ce deuxième but signé Germain et Wegené. Puis oui, et puis il a deux solutions, soit il peut frapper au but et puis derrière il y a Romaric qui au centre et puis au deuxième poteau, on a un autre joueur, Jean-Christ, je crois. Et ça sonnait là une période là. Très difficile pour Yengen Sport qui va alors prendre but sur but malgré cette tentative lointaine de Roiné. C'est vrai qu'aussi il y a eu ce contre-coup physique, on le signalait. En tout cas, Magenta a su parfaitement exploiter les espaces pour venir crucifier cette équipe de Yengen Sport en l'espace de 20 minutes. Ils vont mettre but sur but. Ouais, difficile après pour Willy Yentao. Notamment avec ce petit ballon plein axe, il n'y a pas de hors-jeu. Là, il aurait dû parler, Willy, il est déjà trop bas. Il aurait dû parler à son défenseur, Titma, de dire descends un peu, tu es trop proche de Boinou, recule derrière toi, tu as un défenseur, tu as un attaquant. C'est tout ça, la communication, pas avec spectateur et regarder le terrain. Donc voilà, c'est encore un autre but. Cette superbe frappe pleine lucarne de Maloko, ça faisait aussi doubler pour Jean-Marie Maloko qui a été auteur d'un bon match aujourd'hui. Et là, c'est vrai que ça commençait à se compliquer déjà pour Yengen Sport, surtout que deux minutes plus tard, Aiwogene, il va du triplé, 5 buts à 1. Là, ça, c'est une pluie de buts. Ah, et puis c'est dur hein, quand on est sur le terrain là. Après, mentalement, c'est difficile. Hein, c'est clair. Et puis ce 1-2. 6-1. Bruno, c'est ça. Ballon par-dessus. On l'a tout réussi à Magenta. Tout sourit à cette équipe sur cette période de but assez hallucinante. La réduction du score. Avec Jan. Dan Jaiwe. Ouais, beau tir en pivot. Ça faisait 6-2. 6-2 et puis. Ouais, joli but aussi. Hein, avec ce. Petit ballon de Bami vers Dan Jewe. Pas paniqué. Malgré un Oulil qui avait sorti deux énormes arrêts juste avant. Et puis ce pénalty qui viendra donc finir le travail pour Magenta. Chaillé pour le septième but. Ouais, gros score pour Magenta. 7 buts à 2. 7 buts à 2. Là, il y en a une équipe qui est sur un temps fort et qui va devoir gérer au mieux ses temps forts. Et puis une autre, bah, Yengen, qui difficilement va gérer ses temps de faiblesse, ses temps faibles, pour essayer de rester accroché à ce wagon des six premières équipes pour les playoffs. Il faudra vite oublier ce 7-2 côté Yengen Sport. Ça tombe bien, il rejoue donc, comme tout le monde le week-end prochain. Et puis Magenta qui tentera de... Eh bien, continuer cette dynamique offensive assez hallucinante. 5-0 le week-end dernier contre l'OSI. 7 buts à 2 aujourd'hui contre Magenta. Voilà Magenta donc, qui est quand même donne des signaux forts à leur adversaire. On va se quitter quelques instants. Prise d'antenne 15h23.
toujours sur Pacific Plus et la FCF TV Web pour la seconde rencontre télé du jour. Sixième journée. Une sixième journée qui continue puisque la S Cougnet accueille le SCNGO. On se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure.